Petite vidéo bonus sur l'association des amis de Talleyrand, dont nous avons pu rencontrer le président, Roland Martinet, qui du coup nous a fait l'honneur de nous parler un peu de son association et de son parcours. Par contre, du coup, il manque une partie de ce qu'il a dit parce que j'ai eu un problème de mémoire sur mon téléphone. Mais il y a quand même quelques infos intéressantes, donc on vous met ça en petit bonus. Bon visionnage! Donc bonjour Roland Martinet, vous êtes président de l'association des Amis de Talleyrand. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire rapidement comment vous êtes arrivé à vous intéresser à Talleyrand et à adhérer à cette association? Alors c'est très curieux parce que quand j'étais à l'école, notamment à l'école primaire, j'étais très bon en géographie, mais nul en histoire, avec les mêmes profs. Mais dès l'instant où j'étais étudiant, quand j'ai fait des études supérieures, je me suis intéressé immédiatement à la politique, aux relations extérieures de l'école d'ingénieur que j'ai faite à Lyon, et puis à la négociation. Et aux affaires étrangères, l'Europe en particulier, dont je suis un grand défenseur. Et un jour, quelqu'un m'a dit, toi qui t'intéresses aux relations extérieures ou autres, adhère donc à l'association des amis de Talleyrand. Comme ça, tu auras des facilités pour assister à un grand congrès sur l'art de la médiation par Talleyrand, organisé par l'ESSEC en 2014 à Paris. 2004, pardon, à Paris. Et c'est comme ça donc je me suis intéressé à Talleyrand, alors que j'ai pas du tout une éducation et une formation ni historique ni littéraire, puisque je suis scientifique, je suis ingénieur de formation, ingénieur INSA. Et voilà. Donc Et du coup, cette association, quel est rapidement son but, son Alors, objectif? donc l'objectif de cette association, c'est de faire connaître ou reconnaître l'œuvre réelle de ce personnage incroyable, qui est Talleyrand, qui a servi 13 gouvernements, 8 régimes, depuis quasiment la monarchie absolue de Louis XVI, jusqu'à Louis-Philippe, en passant bien sûr par la période napoléonienne, laquelle n'a pourtant représenté qu'un quart de la vie de Talleyrand. Donc l'association a pour but de parler de toute l'action politique de Talleyrand pour un peu remettre les choses en perspective et à sa juste valeur. Parce que les gens qui ont entendu parler de Talleyrand sont d'abord trop peu nombreux, et la plupart du temps, que pour quelques images d'Épinal très négatives. Voilà. Alors l'association organise pour cela, pour ses adhérents, comme pour le grand public maintenant, une dizaine de conférences à travers toute la France, soit pour parler l'entièreté de la vie et de l'œuvre du personnage, soit sur des sujets plus précis. Par exemple, Talleyrand et Lafayette, Talleyrand aux États-Unis, Talleyrand en Angleterre, Talleyrand et Napoléon, etc. Également des visites de lieux prestigieux qui ont rapport avec Talleyrand. Nous organisons également des visites, des voyages à l'étranger, partout où Talleyrand est allé, à Vienne, à Berlin, à Londres, en Pologne, à Bratislava, à Strasbourg. Et autres lieux. Enfin, on publie chaque année un bulletin d'une soixantaine de pages, le Courrier du Prince,